racks, I count 6 shots. Bustin' out the bando, a nigga jury real metal like a piano. I went from rag to riches to a feature with tilt. Yo tout le monde, c'est Mister Spacey, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos de la map zombie Gorde Covey. Et je vais tout simplement vous montrer comment avoir les frappes de dragon. Mais juste avant je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le pack à punch car vous en aurez bien besoin. Voilà, après avoir pris le dragon en direction du pack à punch, il vous suffira d'activer une sorte de pierre bleue qui se situe à l'étage tout en haut. Et puis juste après vous allez être confronté à une série d'états vraiment difficiles. Du coup je vous conseille d'être très bien équipé, c'est à dire avec des armes améliorer et des bons atouts. Alors si vous l'avez bien remarqué, eh bien à chaque étage de ce bâtiment se trouve des volets, et à chaque fois, c'est-à-dire à chaque étape, il vous faudra défendre la zone avec les volets ouverts. Une fois la troisième étape terminée, il y aura tous les volets d'ouverts et vous allez être confronté à plusieurs zombies ainsi qu'à plusieurs panzers, 3 ou 4. Et moi je vous conseille tout simplement de vous mettre à ma place dans le petit coin et de camper en attendant la libération de la pierre. Une fois les 4 étapes terminées, vous devrez prendre cette pierre et voilà, vous aurez accès à cette frappe du dragon. C'est très facile à utiliser, vous devrez juste marquer une zone tout simplement et le dragon va tirer à cet endroit. Faites attention de ne pas utiliser dans les bâtiments car ça vous conspirera un tir. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Aussi, petite parenthèse, je remercie la chaîne de CodeQG s'ils acceptent du plot de ma vidéo. Sur ce, je vous laisse, c'était Mister Spacey. Allez, peace tout le monde.